Massivement la famille, partagez. Bonsoir tout le monde, partagez massivement. Yo, oui monsieur, bonsoir. À toi, merci pour l'invitation. Non, le plaisir est partagé. Comment vas-tu? Tu es tout souriant là, t'es comment Romain? Je vais mieux que certaines personnes de Mounana, je pense. Alors Romain, en attendant que les gens arrivent, une petite présentation de qui tu es, quand même ça ne tue pas, et nous faire un peu l'historique en fait, parce que d'un coup d'un seul, bam, Romain est apparu avec l'affaire Capello et tout ça. Donc on fait faire l'historique un peu, histoire d'attendre un peu l'arrivée des autres. Alors, je m'appelle Romain Kumba Ndong. Le tueur. C'est quoi ton nom que tu avais donné? Ouais, c'est Kumba Ndong Obiang Reteno Molina. Obiang. Ouais. Donc, d'adoption. Hein, oui. Pas de naissance, mais voilà. On est là. On met les organes, comme on dit. J'ai sorti les organes aussi. Tu vois, je connais mon organe. Non mais écoute, moi j'ai écrit plusieurs ouvrages autour du foot, un peu du basket, et je fais beaucoup d'enquêtes dans le milieu du sport, notamment ce qui se passe un peu en coulisses quoi. Et c'est vrai que j'ai fait pas mal d'affaires d'abus sexuels dans des fédérations internationales, en Haïti, en Mongolie, en France, dans le basket au Mali. Et bon, rien n'est comparable au Gabon par contre, hein. Ça faisait plus de 2 ans que je travaillais le sujet. On avait commencé par Capello. Ensuite, y avait évidemment Coach Colo et Nicolas qui sont maintenant des nouveaux pensionnaires de 100 familles à la prison centrale de Libreville. Et ils ont été rejoints par le maître Chaka, Martin Vera, dans le taekwondo, et Dandy Poati dans le tennis, que j'ai géré aussi. Et puis là, on a publié hier la généalogie, on va dire, de la pédocriminalité dans le foot gabonais, qui est un système pyramidal politico-sportif, avec de nouveaux noms, donc Guy Mandarano, Nono, qui est Bertrand Ngouma, il s'appelle, c'est un directeur technique provincial à la fédération. Mmh. Qui est connu, que tu as l'USM avant, un jeune qui s'appelle Lazare Nguema, qu'on appelle Lumière, qui est la nouvelle génération, et évidemment le grand Manitou, j'ai presque envie de dire, Hervé Patrick Opianga, ton grand ami HPO, qui est, j'ai presque envie de dire, le pape de la pédophilie au Gabon. Mais en parlant de HPO, parce qu'on a vu HPO là, il y a quelques mois, tout feu, tout flamme, disant que ton équipe a été le contacter, il a refusé de payer et tout ça. Donc, du coup, vous vous acharnez sur lui parce qu'il a refusé de payer. Alors, je sache que je ne lui ai jamais parlé, que je n'ai même pas son numéro de téléphone et qu'on est notamment passé par un de ses bras droits pour son droit de réponse, comme tous les autres, auquel il n'a pas voulu répondre. Et c'est mon collègue qui s'appelle Ed Aarons, qui est anglais, et on est passé par Blanchard. Ouais. On ne veut pas passer par lui. Mais il est passé, il était tout feu, tout flamme. Hein.
Du genre, C'est oui, t'es un Mon beau aussi, il costaud. l'a dit. Hein. Mon beau, il m'a dit que je sais pas, j'aurai une audience le 22 mars ou je sais pas quoi. J'attends encore. Hein. J'attends Mais encore la la plainte, à porte quel niveau? pour. Mais oui, mais mon beau, il était touché aussi, mon beau. Il a porté plainte et tout ça. J'attends encore. Mais moi, je les attends. Un, je les attends. Et deux, sur mon beau, moi, j'ai carrément les messages qu'il a envoyés à un international U17, donc mineur, en disant qu'il voulait le baiser, en lui envoyant 10 à 15 vidéos porno. Et je te les avais montrées. Donc, tu peux Oui. dire aux gens que. Et là, c'était vraiment dégueulasse. Donc, mais quand il veut devant le juge, je pense que le juge, il va regarder, il va dire, Monsieur Mombo. Donc, et vis-à-vis d'Hervé Patrick Opianga, donc là, il a été exposé à l'international hier, tu en as mis du temps, mais bon, parce que je peux te dire que c'était très long, toutes les vérifications et tout. Et là, ça va s'accentuer. Mais s'il veut l'attaquer, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai le cul propre. Eux. Oh mais non, Ouais. Non, mais attends. call J'ai cru pour les lives que tu fais sur Hervé Patrick Opianga. J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas que dans le football. Il a les fesses pas très propres, notre ami. Ah ouais, Donc. partout, hein, partout. Hein, non, lui, là, il est partout. Il est incestueux, c'est un criminel, en fait. C'est l'assemblage de tout. Mais, On du coup... remerciera Stéphane aussi s'il nous écoute, hein, qui a fait de grands Ouais, travaux Stéphane sur Dung, lui. oui, il est là, il est là. En tout cas, on a prévu faire un truc ensemble samedi. On va voir avec ton Juste. emploi du temps. Parce que là aussi, c'est le réseau des placements et au Pierrot aussi, il est dedans. Hein. C'est un monstre. C'est un monstre Il est marin, ce dans dernier. Mais tous les trous, donc il est. Du Mais coup, si par tu veux, rapport vas-y, vas-y. au Guardian, quel est le contenu concernant Opianga? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, parce que le gabonais, il est compliqué, hein, la lecture, c'est vraiment pas son fort. Est-ce Ah, je que, en vois. quelques minutes, Moi, résumé... je te fais ça. Je te fais très simple. On Oui. a voulu faire un article qui récapitule tout. Des années 90, où ça commence avec les pionniers de la pédocriminalité dans le foot, qui s'appelle Guy Mandarano, qui était un agent, qui a aujourd'hui le club d'Hermoghlichen, qui était le grand ami de Patrick Assumoyi Di Capello. C'est eux notamment qui faisaient la sélection U17 pour le tournoi en France de Montaigu, dont tu as longtemps parlé dans tes lives et dont on t'a parlé longtemps dans les lives. Hein. Et il était avec un Camerounais qui s'appelait Jean Baoken, qui est mort, qu'on appelait Prezi, qui était à l'USM, club de Jean Boniface Asselineau. L'USM, ils ont quand même eu, c'est quand même le club avec l'FC 105. Tu te dis, quasiment tous les plus gros pédos du Gabon sont passés par là. Parce qu'on rappelle qu'à l'USM, à un moment donné, tu as eu Coach Colo, aujourd'hui quand même en prison, tu as eu Prezi, tu as eu Capello et tu as eu. Nono Del Bosque, les mecs j'adore, en plus ils se donnent des surnoms, c'est incroyable, le mec se croit professeur Tété. Le mec c'est le patron de la pédophilie au Gabon, putain. Mais t'imagines Vincent Del Bosque, s'il apprend ça, que t'as un mec qui va drep les petits et il prend son nom. Comme le gars pour gentil, il veut qu'on l'appelle Mourinho, l'autre il veut qu'on l'appelle Capello. Oh mais les gars, bref. Non mais c'est ça, l'USM au bout d'un moment, puis bon j'ai envie de te dire, la fille de Jean Boniface Asselineau dans le handball, bon c'est encore autre chose, Nicole si tu nous regardes. Celle-là, elle est pour toi. J'espère qu'un jour, tu termineras sans famille, toi aussi. Parce que tu mérites. Hé, Non, on est d'accord ou pas? c'est sûr. On est d'accord, gros. Je suis à 100% avec toi, gros. Nicolas Sélé, tout le monde est au courant au Gabon. C'est un secret de Polichinelle. C'est comme la présence d'esprit de Capello. Exact. Avec les handballeuses. Voilà. Bref. Donc, on retourne au Pianga après. Donc, on commence en expliquant tout ça. Et en expliquant qu'en fait, ce réseau, il a grandi de plus en plus. Et qu'il avait des branches politiques également, notamment d'Hervé Patrick Opianga, qui non seulement, donc il a le club de Monana, mais il a également été manager général des Panthères dans les années 2010, et certains, pour intégrer l'équipe nationale, ont dû donner les fesses à Opianga. Adulte ou pas. Et à Monana, on a eu des témoignages de petits, 14-15 ans des fois, malheureusement, sont passés, voilà, vous imaginez ce qui s'est passé derrière. Et ceux qui ont refusé ont été chassés. Et quand vous avez Opianga dans le viseur, je rappelle quand même qu'il avait donné à un moment donné à Capello, encore une fois, le soin de former les équipes jeunes de Mounana. Il y en avait même deux à l'époque. Et ensuite, forcément, ça a été un pourvoyeur, Capello. C'est pour ça que, et ça, tu en avais parlé longuement, quand Capello a été arrêté, qui a essayé de le faire libérer? C'est toi qui l'avais dit, hein? CHPO? Opianga. Voilà. Parce que si Capello parlait, Opianga, ça pouvait très mal se terminer pour lui. Ouais. Donc, on a parlé de tout ça, d'un système en pyramide. Et demain, je fais une vidéo en français sur ma chaîne YouTube où je sors le tableau, je mets une pyramide. Et je monte en gros, en haut, tu as Opianga. Mais tu n'as pas que Opianga, tu en as d'autres. Donc, on Oui. pourra parler plus tard, mais c'est que moi, j'ai besoin de la matière, parce que je ne peux pas.
Et aujourd'hui, ces mecs-là forment les nouvelles générations. Le petit, là, le mec qui se fait appeler Lumière, Lazare Nguema, qui est aussi de la Ligue de l'Estuaire. Bon, avec Mombo, Capello et tout ça, là. Mais le gars, il fait pareil. Et lui, il va pourvoyer des petits à d'autres, qui ensuite, entre guillemets, c'est comme une pyramide. Tu commences en bas, ensuite, on te dit, tu dois passer plus haut et encore plus haut. Donc, en fait, si tu veux, l'article, c'est un peu tout ça. Demain, je détaillerai en vidéo. Normalement, je dois faire quelques passages aussi. Bon, normalement, vis-à-vis de France 24 et tout ça. Donc, j'aurai le temps de bien expliquer. Il y a des gens aussi qui me font rire en me disant, oh, t'en prends qu'à Capello. Non, mais moi, après, si on m'invite, je viens pour parler, tu vois, mais je ne peux pas m'inviter sur les plateaux. Moi, je n'ai pas la carte. Tu vois. Moi, je suis un marginal, je suis un peu indépendant. Par contre, ça a été un travail très long. Pour faire valider l'article, ça a été 2 mois et demi. Hein. Je peux dire que les avocats, ils n'ont jamais autant presque cassé les pieds, tellement il fallait être sûr. Mais on a vraiment été très, très, très solide. Donc voilà, maintenant, on a publié. Opianga est exposé à l'international pour ce qu'il est, c'est-à-dire l'un des moteurs de la pédocriminalité dans le foot au Gabon, mais ce n'est pas le seul. Et je vais mettre une pression sur Guy Mandarano, parce que Mandarano, tu en as souvent parlé, c'est l'un des papes de la pédophilie au Gabon, très clairement. Évidemment, tous, ils ont démenti autres, ils nous ont dit. Mandarano, lui, il pipe les jeunes. C'est-à-dire que tous les gars d'Hermoglichen, et c'est triste, hein, la plupart du moins, le deal qu'il fait, c'est ça. Et ce mec-là, parce qu'il y a un truc dont j'aimerais parler aussi, dont j'ai rarement parlé, et je vais parler demain en vidéo aussi, c'est que derrière, tu as des rites, je ne sais pas si on peut dire sataniques, je sais pas, notamment de certains mecs qui sont de la Rose-Croix, comme ça s'appelle la Rose-Croix. Oui, exactement, c'est les pratiques, hein, c'est les pratiques. Ils mélangent la sexualité là avec certains rites. Exactement. Et en fait, il y a deux trucs importants. Là, par exemple, je vais donner un détail qui est horrible, mais bon, je vais le faire. Mandarano. Il pipait les jeunes, 13, 14, 15 ans. C'était son truc. Lui, voilà, il faisait pas autre chose. Sauf qu'il voulait conserver leur sperme dans des flacons. Je ne sais pas ce qu'ils en faisaient après. Ah oui, non, mais ça va loin. Et ça va sur des incantations. Les mecs se disent, ils vont se transformer en je ne sais pas quoi. Ah non, mais ça va loin dans le délire. Mandarano, il a pipé je ne sais pas combien de gamins. Et tout le monde est au courant. On dit de Capello, mais Mandarano, c'est pareil. Sauf que Capello faisait le drep. L'autre, il est dans la pipe. Mais c'est la même équipe. Et il y a aussi un autre truc qui est très important. On en parle de pyramide et c'est ce qu'on met dans l'article. C'est à tous les gars qui étaient au courant et qui ont laissé faire. Et le premier est Pierre-Alain Mougenghi. On va quand même balancer. On la balance ou pas? Vas-y, vas-y, balance tout, bro, balance tout. Pierre-Alain Mougenghi qui a une relation avec Serge Mombo. Qui a une relation avec Serge Mombo, dont Serge Mombo, qui a été accusé, là, qui doit pointer tous les jours au commissariat pour le moment, il faut aussi l'expliquer. Il y avait une sextape à l'époque de Serge Mombo, et c'est le fils de Pierre-Alain Mougenghi qui a réussi à la faire supprimer. Et qui viennent me chercher si ça, c'est pas vrai. Donc Mombo, qui doit aussi terminer, hein, parce que Mombo avait protégé Capello, Mougenghi protège Mombo parce qu'ils ont une relation, et de la même manière que Mougenghi, son premier soutien, c'est Opianga. Tous ces gens-là sont liés. Et on peut parler d'un véritable réseau politico-sportif, mais il ne faut pas oublier Mougenghi. Et j'ai quand même suivi avec intérêt le quotidien L'Union, parce que je sais que si L'Union écrit quelque chose, c'est qu'en théorie, bon, c'est un peu officiel. Ils ont mis la semaine dernière qu'il y avait des arrestations à venir dans le hand et le football, et ils ont mis dans l'article que ceux qui sont au courant et qui n'ont rien fait risquent 3 ans de prison. Là, j'ai presque envie de dire, c'est donné pour Pierre-Alain Mougenghi, tout ça. Qui a l'audace de se présenter aux élections ce week-end. Il a l'audace en disant j'ai mis un numéro vert pour les victimes. Alors quand Brice Makaya ou Parfait Ndong, des anciens internationaux gabonais, sont allés le prévenir, le mec a la honte de dire ça. Il a fait quoi pour les gamins depuis tout ce temps? Parce que son amant Serge Mombo les drapait, il fallait rien dire. Enfin, c'est ça la vérité. C'est que Mougenghi et Mombo, ils couchaient ensemble. À un moment donné, il va falloir expliquer les vérités. Et donc, vu que c'est une histoire de cul, il l'a protégée. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie entre adultes consentants, je m'en fous. Par contre, quand ton amant drape les petits et que tu dis rien, là, tu es responsable. Et je pense que la femme de Pierre-Alain Mougenghi, elle est parfaitement au courant de ce qu'il faisait. Et pareil vis-à-vis de Mombo. Je Exactement, terminerai par ça. exactement. Mombo, il se fait torcher en haut et il torche en bas. Tu as tout dit, hein, tu as tout dit, hein. En fait, c'est ça. La base de tout, ils se protègent entre eux. Ils se protègent entre eux. Ils sont habitués à faire ça. Et là, Et aujourd'hui. Stéphane Oui, vas-y. Guémard, toi, tu as fait un live exceptionnel sur la mémé, on se Oui. rappelle. Ouais. Mais Stéphane Guémard, protégez-lui, Capello.
Je ne sais pas ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, mais je suis curieux de savoir comment Stéphane Guema dort le soir quand les joueurs l'appelaient et disaient, faut écouter ce que te dit Capello. Parce que ça, c'est de la complicité, c'est de l'incitation à te Exact. faire guider, si je peux me Mais permettre oui, mais l'expression. c'est tout le monde là. Même Stéphane Guema, il mérite de faire la prison. C'est la Bien prison, sûr en qu'il fait. mérite de faire la Mais prison pour oui. avoir dit aux jeunes ça, d'écouter Capello. T'as des jeunes qui se sont fait biter de la faute d'Nguema. C'est la Mais vérité. C'est la oui. vérité. C'est triste, quoi. C'est triste. Bien sûr que c'est Mais triste. là, je suis content. Tu sais pourquoi? C'est parce que ces derniers, leur plus grosse crainte, hein, c'est quand ça frappe à l'international comme ça, là. Et là, en ce moment, Opianga, il doit avoir un AVC, hein. Il doit avoir un AVC. Oh, il a Parce rien que non eu. seulement le droit vient à frapper, et il y aura ton intervention sur France 24 et RFI d'ici là. Donc du coup, les Ouais, gars ont je des pense, sueurs froides. TV5 Monde, j'espère aussi. Voilà, enfin, moi, après, si tu veux, si je suis invité, j'expliquerai ce qu'on a mis dans l'article, quelle est la réalité. C'est quand même plus de 2 ans de boulot. Et de toute façon, tous les gens qui sont dans le milieu que le savent, c'est vraiment un secret de Polichinelle au Pianga aussi. Hein. Et c'est très important, et aussi de voir comment les autorités vont réagir maintenant. Parce que là, là, on est monté d'un échelon quand même. Hein. On n'est plus sur Capello, Chaka, Poati. Non, non, là, on est sur un costaud. Est-ce que les Mais oui, autorités vont mais réagir de la même manière? Opianga, c'est la présidence de la République. Voilà pourquoi ils vont tout faire pour essayer de camoufler cela. Et voilà pourquoi, depuis hein, que tu avais averti des gros noms, nous tous, nous avons vu comment Opianga, sur le terrain, il tremblait. Il essayait de faire des dons à gauche, à droite, histoire de nettoyer son image. En fait, il prend les gens pour des cons, en fait. Oui, bien Regarde sûr. Opianga, c'est pas un homme du peuple, hein. là. Dire. Non, jamais, jamais. Même moi-même, Gabonais, je te dis, c'est pas un homme du peuple. Jamais, on Non, ne le non, bien connaît sûr. pas. Mais bien sûr, Oh, tu as donné. mais Romain, c'est très gentil, hein, c'est très gentil, frère. Non, mais là, il comment. Bon, j'imagine qu'ils stressent un peu tous. Maintenant, ils doivent répondre de ce qu'ils ont fait, tout simplement, j'ai envie de te dire. Mais il y en a d'autres à aller chercher, hein. Il y a un mec dont tu as parlé dans un live, s'appelle Peggy, qui escroque les familles, qui a fui en Turquie là maintenant. Donc J'ai si tu veux, même un témoignage concernant ce dernier. Hein. Et là, en Turquie, il abuse sexuellement des enfants là-bas, sérieusement. mais bien sûr, Peggy, c'est l'un des pires. Et en plus, ils escroquent les familles en prenant je sais pas combien de francs CFA. Donc tu as tout un véritable réseau. Alors courage aux autorités pour cela. Maintenant, je peux te dire que là, c'est que le début, parce qu'au Pianga, il y a d'autres organisations à l'international qui sont sur ses fesses, hein, je peux te le dire. Ça va lui faire tout drôle, là. Hein. Et là, il n'aura peut-être Non, pas mon la ami, carte il a pour essayer de glissé, faire du chantage. Il a fait. ça va glisser, il a habitué, ça va glisser. Ouais, mais là, il ne pourra plus faire du chantage comme il l'a fait pour sauver ses fesses quelquefois. Parce que ces organisations-là, elles n'en ont rien à foutre d'Hervé Patrick Opianga. Et là, ça va lui faire tout drôle de voir que l'international arrive. Bon, j'espère que les autorités gabonaises feront le boulot, quoi, comme ils l'ont fait pour Capello et le reste. Pour tous ces enfants, ce serait magnifique. L'espère activement, hein, parce que là, il va pas sentir ça passer. Hein. Il est habitué, en tout cas. Ça glisse derrière. Ça glisse derrière. Donc Ouais, enfin là, ça va pas trop là, glisser parce que c'est un mec qui a les tellement d'ego et d'arrogance. Et ouais. tu vois, moi, si tu veux, je pense qu'il faut traiter les mêmes petits cas, les mêmes petits maillons et les gros maillons de la même manière, parce que quand tu t'en prends des enfants, il n'y a pas de différence. Sauf que là, en effet, c'est l'un des gros poissons politiques. Donc, nous, on va aller au bout et on va continuer, si tu veux. Et puis, bon, bientôt, on va parler aussi des filles quand même, hein, parce que Léo Kadi, il va quand même falloir en parler aussi quand même, hein, qui est à la fédération, la directrice du football féminin. Elle aussi. Pierre-Alain Mougenghi est au courant pour les filles. Qu'est-ce qu'a Mais fait Pierre-Alain Mougenghi? ouais, Parce que mais comme tu l'as Mougenghi, dit c'est tout tout. à l'heure, C'est c'est tout, hilarant hein. qu'il se présente encore aux élections. Même moi, je ne comprends pas ça. Bah, Hein. surtout que C'est le grave. pouvoir ne veut On vit pas. dans du bruit. Le pouvoir ne veut pas, de ce que j'ai cru comprendre. Je pense que là, ils l'ont fait comprendre, non, mais lui se sent protégé par la FIFA, qui aujourd'hui, il faut quand même dire la vérité, la FIFA protège pour le moment certains pédocriminels. Il ne faut pas avoir peur maintenant d'utiliser les mots. Parce qu'on peut le dire au Gabon, moi je le vois ailleurs. Il pense que la FIFA va le sauver. Alors, je ne suis pas expert de la politique gabonaise, mais je pense que si le palais, ils veulent la tête de Mougenghi, selon les lois du Gabon, c'est quand même leur pays, ils font encore un peu ce qu'ils veulent. Ce n'est pas la FIFA qui va quand même sauver le cul de Pierre-Alain Mougenghi pour des votes ou je ne sais quoi. Mais Mougenghi a le culot de se présenter. Mais c'est incroyable, mais c'est lunaire. Donc, j'espère qu'il sera rattrapé par la patrouille et ce qu'il mérite, parce qu'il n'a jamais aidé aucune victime et il a même, au contraire, fermé les yeux. Sur beaucoup. On rappelle que Capello est à la Fédé, Nono est à la Fédé, Mombo est à la Fédé et Opianga a un rôle absolument délirant. Léo Kadi est à la Fédé et je pense qu'on peut en citer d'autres. Tu te rends compte déjà? C'est-à-dire que les gens les plus importants de la fédération sont dans ces affaires-là. J'irai pas trop regarder non plus du près de Claude Mbourono. Donc c'est quand même gravissime que Mougenghi puisse se représenter.
Romain, vraiment, c'est extraordinaire. Mais en tout cas, comme je t'ai dit, nous, on te remercie, hein, parce que tout ce qui se passe là, tu es venu révéler au grand jour ce que les Gabonais avaient peur de parler. Et là, j'incite toujours les gens à venir t'apporter des témoignages, parce que là, on attrape Opianga, et Opianga, c'est le gros poisson. C'est le gros poisson, les gars. Vous avez le contact ici, vous avez le contact de Romain, sa boîte mail, etc. Essayez de contacter pour les Puis personnes qui veulent en finir directement en découdre. il voit, les gars, là où il peut voir que moi, tous ceux qui m'ont parlé, personne n'est au courant. Donc moi, j'aurais bien anonymisé tout. Et faut y aller même sur les autres, tu vois. Je sais ce qui s'est passé à 105, à Kanda. Mais moi, je ne peux pas dire, oui, les gens me disent, on le sait, oui, mais moi, j'ai besoin d'avoir les gars qui ont reçu les propositions, qui des fois ont eu ça aussi. Et c'est tous ensemble qu'on y arrivera. Donc oui, évidemment, j'encourage, pareil pour les filles. Franchement, là, on a une opportunité géante. Est-ce qu'elle sera ouverte une autre fois? J'en suis pas sûr. Il faut en profiter. Donc évidemment, contactez-nous, contactez-moi, hein, sur Facebook, n'importe où, etc. Ensuite, on en parle tranquillement. Et d'ailleurs, je vais pouvoir lancer deux messages parce qu'il y a deux gars, il y a quatre gars qu'il faut coincer rapidement aussi. Parce que là, il y a le Hervé Opianga du tennis aussi qu'il va falloir coincer quand même un petit peu. Hein. Jean Commy Vivon, là, qui était au Saoty, plus grand club de tennis de Libreville. Je vais te raconter une anecdote qui est terrible quand même. Et te montrer qu'il y a des gens de l'équipe nationale, des Panthères. Des fois, je suis énervé après eux. Ceux qui ont reçu les propositions, mais qui n'ont pas fait. Et qui ont été exclus pour ça. Qui sont en Europe aujourd'hui. C'est des mecs, honnêtement, ils n'ont pas grand-chose à craindre. C'est des mecs qui ont un nom, tu vois. Notamment de Mombo, ils ont reçu des propositions. Notamment un mec à la dernière Coupe d'Afrique, il a refusé, il n'a pas été dans le groupe. Il se reconnaîtra quand il m'écoutera. Parce qu'il faisait le malin en parlant à ses amis. Et au moment où il a fallu parler, il connaissait plus Serge Mombo quasiment. Et c'est un mec qui me dit, j'ai des couilles. Pas persuadé là. L'affaire du tennis, les gens me disent c'est le tennis. Le mec était coach de l'équipe nationale. Il violait des petites de 6 ans parfois. Et je répète, 6 ans. Devant, derrière. Okay? Le jour du tribunal devant le procureur. La fille, elle a quoi aujourd'hui? Elle a 15-16 ans. Elle a été, t'imagines même pas. Elle a eu l'énorme courage d'y aller. Et ça n'a pas été la seule. Le mec aujourd'hui est aux 300 familles, il ne reverra plus jamais la lumière du jour dans 10 Poitiers. Donc elle, un courage incroyable, elle vient d'une famille très modeste, d'un milieu très modeste, malgré tout ce qu'elle a vécu. Et ça a été terrible, ça a duré des années. Hein. Sa famille était trop pauvre, l'autre l'avait plus ou moins adoptée. Enfin, mais c'est inimaginable. Elle joue en équipe nationale du Gabon jeune. Là, elle aimerait reprendre le tennis d'ailleurs. J'espère qu'elle pourra le reprendre et avoir une vie. Le courage qu'elle a eu, cette fille, ou les gars du Taekwondo que tu connais un petit peu, comme un grand courage contre Chaka, là, je me dis, eux, ils ont eu ce courage. Et je vois des gars, des Panthères, ils font tous les malins, là. Je parle pas ceux qui ont connu ça, je te parle ceux qui ont reçu les propositions déjà. Il n'y en a pas un. Pas de couilles. Et c'est la petite qui a rien, qui est au pays, qui va se lever contre cette espèce d'immonde ordure de Dandy Poitier. Donc, elle, respect à vie pour sa famille et tout. Et dans le tennis, tu en as deux autres. Et là, je vais te donner les noms. On est chez toi, on peut y aller. Ah, Coach Abès, on l'appelle. Samuel Abessolo, ancien directeur technique national adjoint de la Fédération de tennis gabonaise. Tout le monde est au courant d'un tennis gabonais qu'il a violé une fille dans un tournoi au Cameroun de la Kadji Academy. C'est gabonaise qui jouait pour l'équipe nationale. Toute la famille de la gamine est au courant. Dont le frère, qui s'appelle Lionel. Et le mec dit dans des audios, il peut pas faire le malin devant moi, j'ai la dernière balle. T'attends quoi? Donc sa sœur se fait violer, mineure. Et le mec dit à ses potes, oh, j'ai des couilles, abaisse pour rien me dire, j'ai la dernière balle. Moi j'essaie de lui parler, rien. Non, je connais pas et tout. Mec, je sais très bien, tout le monde est au courant. Donc en gros, le gars laisse sa sœur se faire violer pendant des années. Et quand il a la possibilité de mettre abaisse au trou. Parce que là, il parle aux autorités. Tu sais aussi bien que moi, ils n'en ont rien à foutre du mec du tennis. Hein. Si les gars ils viennent parler, ça va faire comme les autres, il va rejoindre la prison centrale. Tu sais aussi bien que moi. Et là, le mec, il ne veut pas. Mais ça fait le malin. Je ne sors pas encore son nom de famille, je suis gentil. Mais Lionel, et j'espère qu'il m'écoute, ou ses potes écoutent, mais comment il peut se réveiller dans une glace le matin? Comment il peut. Toi, je te pose la question, toi, Yann. Comment toi, si admettons, tu connais ce gars-là, tu lui dirais quoi? C'est un maudit. C'est un maudit. C'est tout. Voilà. Et il y en a un deuxième qui s'appelle Jean Commy Vivon, donc le patron du Saoty, qui lui pour le moment s'en est sorti parce que tu as une de ses victimes qui n'a rien trouvé de mieux que essayer de demander de l'argent. Donc à cause de ça, pour le moment, il s'en sort. Et toutes les autres, entre guillemets, tu te rends compte?
Mais on n'a pas fini avec eux. Donc j'incite les gens du tennis, Samuel Abessello, sur l'eau, pardon, et Jean-Commis Vivon. Si vous avez quoi que ce soit, contactez-moi. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ah, mais les gens du tennis ont les mêmes droits de faire leur sport sans qu'on les emmerde, comme au taekwondo. Exactement. C'est pas parce que c'est pas au pianga que pour des familles, Jean-Commis Vivon, il a détruit des familles. Donc ça a la même importance à mes yeux. Une victime reste une victime et sa famille mérite le même traitement. Qu'importe sa nationalité, son sport, son milieu social. Donc, je répète, Jean-Commis Vivon, Samuel Abessolo et les deux gars de Port-Gentil, là aussi, dont on a parlé, Monsieur Perruque, là, Lionel, il s'appelle Lionel, coach Morino, qui habite au quartier de Salsa à Port-Gentil. Tout le monde est au courant de ce qu'il fait avec Drep les petits. En utilisant des en ce moment, même si tu me suis à Port-Gentil, tout est là-bas. Hein, tout est là-bas. Tout est là-bas. On va même t'apporter aussi les témoignages de. Du père de Marc Tiango, Gabriel Tiango. En tout cas, après, je reviendrai vers toi parce que c'est un nom qu'on a oublié dans le football. Et c'est tout le gars-là, il est vraiment à Port-Gentil et il fait des trucs sales aux enfants. Et surtout, même dans le milieu de foot. L'école de football de Port-Gentil de l'époque. Faut pas l'oublier, ouais. Celle-là non plus. Tu as le coach Ivan, tu as le coach Casa de Port-Gentil. Tu as des mecs à Bitam qui font ça aussi, d'ailleurs, en passage. Hein. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Mais, en effet, encore contactez-nous. Et notamment pour Opianga. Parce que c'est sûr que si Opianga tombe, le système tombe. Ce système-là, en tout cas. Ouais. Parce que si Opianga, on va le chercher, derrière, il n'y a plus personne qui a une excuse pour dire « je ne peux pas parler sur X ou Y ». Non. Si Opianga tombe, il faut arrêter d'avoir peur de Serge Mombo. Il faut arrêter d'avoir peur de ces mecs-là, de Mandarano, de Peggy, de Nono. Il faut arrêter maintenant. Il faut arrêter. Donc, c'est pour ça que là, on doit concentrer tous nos efforts que les autorités bah, simplement fassent le job. Quoi. Et comme elles l'ont fait hein, pour le moment. Moi, je ne suis pas gabonais, je ne vais pas rentrer dans ces débats-là. Moi, je te dis qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas l'attitude des autorités gabonaises. Donc moi, ce qu'ils ont fait, je sais qu'ils ont très bien géré les cas, notamment vis-à-vis des familles. Il faut leur rendre hommage là-dessus, tu vois. Ouais, bon. En tout cas, comme je t'ai dit, nous te remercions. Et, non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Toi, dis bientôt ton anniv, il y a un gros cadeau que je vais t'envoyer. T'inquiète pas. Tu le connais, même, mon cadeau ? Activer l'œil de la NASA, je connais même le jour. Tu m'as pas dit, hein ? Je connais le jour tout. Tu verras seulement un cadeau. Non, mais tu sais ce que ce serait, mon cadeau ? Vas-y. Les nouveaux pensionnaires à la prison centrale de Libreville. Oh, alors là. Mais là-bas, ils vont mettre des perruques. Et là, voir Opianga, Mombo et tous ces mecs. Là, ce serait mon plus beau cadeau d'anniversaire. Non, ça ira. Avec la grâce de Dieu, ça ira. Ça fait des années, des décennies que les mecs ils font ça dans l'impunité. S'ils arrivent à terminer là où ils devraient être, mais t'imagines pour toutes ces gens ce que ça représenterait, ce serait magnifique. Là. Je veux dire, après, les mecs, ils vont réfléchir à deux fois avant de toucher un gamin dans le foot. Hein. Exact. Et c'est ça notre but, en fait. C'est que les Gabonais ne comprennent pas que nous devons tous nous liguer, parce que c'est ça. Le football doit être en fait, l'enfant doit prendre plaisir à jouer et non se faire wester afin de réaliser son rêve. Exactement. C'est ça que le problème, en fait. Les gens se disent que nous attaquons aux honnêtes personnes. Or, c'est des menteurs. C'est l'image là qu'ils donnent au peuple. Or, c'est les personnes les plus sales du Gabon. Et briser le rêve d'un enfant, non, là, c'est... si tu es adulte, tu fais de ton trou ce que tu veux. Mais faire ça aux enfants, avec certaines conditions, c'est ça que l'on dit non. Et qui viennent en plus d'un milieu social défavorisé où ils vont justement en profiter en disant, il y a une pression sociale, etc. L'enfant, sa seule manière de réussir et d'aider sa famille, c'est le football. Donc, c'est l'ascenseur social. Donc, c'est en plus, on joue sur la pauvreté des gens. Mais il faut vraiment être une immonde ordure. Mais tu sais qu'un mec comme Capello, il avait récupéré des gamins du Burkina, qui étaient plus ou moins orphelins, qui étaient au Gabon, et pareil. Un jour, il a dit au joueur qui était à Orambaka, parce qu'il coachait Orambaka, sachant que Capello, avant, était dans le cirque, hein, le cirque de l'Équateur, où il a commencé. Il était scout aussi avant, le pangolin. À l'époque, il se faisait appeler le pangolin. Et c'est quand il était, je crois, acrobate, ce qui est quand même assez incroyable de le voir vu son physique, je ne sais pas comment il a pu être acrobate, mais enfin, c'est autre chose encore. Et il était acrobate aussi. Et c'est là où il commence, fin des années 80, début des années 90. Ensuite, il arrive dans le foot à Orambaka, notamment, où ils ont une énorme équipe. Et là, il dit, il y a des joueurs, où je vais récupérer ma femme. Moi, en voiture. Moi, Jean Capelet, il voit grave, tu vois, il est toujours en train de fumer des cigarettes et il est toujours en sentant l'alcool, parce que le mec, il est tout le temps défoncé à la bière. Et d'ailleurs, ça m'a fait quand les gens l'ont amené à la prison centrale de l'eau. J'ai un ami, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il va boire de l'eau, Capello ? Il n'a jamais bu d'eau de sa vie. Et bref, il allait récupérer. Donc, il dit, ma femme. La femme, c'était un petit. Le mec, il m'a dit, Romain, c'était soit du Burkina ou du Sénégal, j'ai un doute, qui avait 13-14 ans. Il m'a dit, on était là, on était. Donc, le mec, carrément, il va voir les orphelins. Mais c'est immonde.
pour l'emmener au jardin d'Éden, voilà, recevoir la présence d'esprit. Mais c'est type, je sais pas si on se rend compte en fait à quel point c'est grave. Je sais pas si on se rend compte. Et Mombo, Mugengi, tous ces mecs-là, évidemment, ils ont couvert depuis des années. Je sais pas comment Mugengi peut être en liberté. Mais on te dit, c'est un cercle. En fait, c'est une boucle. Toute cette histoire, c'est une boucle et ça frappe de partout. Raison pour laquelle, entre eux, ils se protègent, en fait. Mais le problème, c'est que face à la vérité, ils sont obligés de faire tomber les têtes. Et c'est ce que, en fait, c'est ce que tu es en train de faire, en fait. Tu es en train de les mettre face à la vérité. Et là, même les membres du gouvernement, ils sont obligés. Ils savaient depuis des années que Capello abusait des enfants. Ils le savaient. Et aujourd'hui, pour te taper dans la fourmilière, là, ils sont obligés de faire, on va sélectionner certaines personnes qui iront. Et aujourd'hui, nous, c'est la tête d'Opianga. Parce qu'Opianga doit y aller. On va taper dessus, on va marteler dessus. Opianga, c'est le réseau. Pourquoi les mecs, ils n'ont jamais rien dénoncé? Parce qu'il y a Opianga derrière. Opianga, tout le monde a... Opianga, il tue les Gabonais. Opianga, il te dit, il te tue. C'est un tueur. En fait, lui, il est civil par la mort. Il dit, ouais, je prends ta famille. En fait, c'est comme ça qu'il fonctionne. Hein. Il est une milice armée. Du coup, voilà pourquoi il intimide les Gabonais avec ça. Donc, c'est pour ça que Opianga, c'est clé, parce que derrière, ça peut découler. Donc, nous, on va concentrer nos efforts là-dessus. Et puis, je sais que tu as le syndicat mondial des joueurs qui va bientôt publier un rapport. Même la FIFA, maintenant, va être obligée. Tu verras que tôt ou tard, Opianga, tu vas voir la nouvelle bannie à vie du football. C'est-à-dire que même si un jour il sort de prison, il aura pour abus sexuel sur mineur. C'est ce que je te dis. À un moment donné, il va avoir ce rapport qui va sortir au niveau international. Je ne sais pas quand. Ils vont dire quoi, le gouvernement? Donc, autant qu'ils anticipent. Et dire, regardez, on a fait le job. Et comme ça, là-dessus, bah, au final, tout le monde est content. Moi, je te dis, mais je ne suis pas gabonais. Je n'ai pas d'avis à donner sur l'État gabonais. Je ne suis pas gabonais. Et il y a plein de problèmes dans tous les pays, la France comme tous les autres. Moi, j'essaye de voir le positif pour les familles, tu vois. Je me dis, même si c'est pour leur image et tout, et si Opianga est terminé au trou là où il devrait être depuis très longtemps, c'est une victoire pour toutes ces familles. Moi, je suis... Exactement. Et derrière, ça veut dire qu'on peut chercher les autres, hein. Notamment ceux d'Akanda du FC 105. Notamment un mec qui est dans la musique aussi. Je pense qu'on parle du même. Frédéric Gassita. Ah bah, je pense que là, il y a quelqu'un, non? Mais toi, tu vois, voilà pourquoi dit que samedi, tu dois être là. Parce que même Frédéric Gassita, on a un dossier comme ça, c'est trop lourd. Oh, on va partager ça avec toi. Frédéric Gassita, on va te le donner comme ça, là. Tu vas être avec son ami Bill Chateau. Et son ami, représentant du Milan AC, qui n'a pas été au Gabon en échange de venir en Italie, là. Mais t'as dit que Stéphane et moi, samedi, on va te donner Frédéric Gasta sur un plateau. Mais je sais que l'œil de la NASA est attentif, là, déjà. T'as choqué pour gentil, déjà, et maintenant, ça y est, là. Là, ça y est. Oh non, je suis trop fier de toi. Et au nom du peuple gabonais, nous te remercions, en fait. Nous te remercions, Romain, parce que ce n'est pas facile. Hein. Moi-même, je sais les nuits blanches que tu te tapes à récolter les informations ici et là. Moi-même, je sais, il y a des personnes qui voient juste la publication, mais ils ne savent pas tout le travail que tu accomplis derrière. Ça. Mais pour publier, c'est une galère, c'est le parcours du combattant. Les avocats, ils posent 50 000 questions, de machin. C'est une horreur. Et je t'annonce un autre truc la semaine prochaine. Normalement, c'est la semaine prochaine. Sur un Français très important dans le milieu du foot pour prostitution infantile en Afrique. Coupe cachée et tout. Donc ça aussi, la semaine prochaine. Et il y a un petit rapport avec le Gabon, tu le verras. Ouais, je connais, je vois de qui tu veux parler. Donc du coup, on attend. Et le mec, il est pas bien là. Il est pas bien. Il connaissait très bien HPO. C'était l'époque, ouais, je dirais, de la pédophilie d'or chez les Panthères. Hein. T'avais tous les gars à l'époque. Hein. Donc ça arrive la semaine prochaine aussi. On va continuer à bosser, tu vois, sur tous les dossiers pour qu'il y ait justice, tout simplement. Ouais. Non. Mais Romain, en tout cas, je suis là, le plateau est à toi. En guise de conclusion, comme ça, on va se lâcher en beauté. La conclusion, tu veux? Allô? Oui, comme vivant. Si tu as un truc à ajouter, tu vas ajouter. Hein. Non, parce que ça me déconne un peu. Ça, la connexion. Ça bug de ton côté, frère. Vas-y. Ouais, ma fille. J'habite au fin fond du monde, tu sais, je dois me cacher, hein, parce qu'Opianga, il va me chercher maintenant. Là, il ne dort pas. Là, il ne dort pas. Là, il est très mal. Là, Opianga, il va faire l'AVC. Ah, c'est bon, il a des réserves. Il peut passer 2 jours sans manger, ça ne va pas le tuer quand même. Vu qu'on s'est engraissé sur le dos du peuple gabonais depuis des années, c'est pas ça qui va le tuer quand même.
Oh, mais en ce moment, en fait, ce que tu ne comprends pas, les gars, ils n'aiment pas quand c'est exposé, en fait. Quand c'est exposé, oh non, 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 parce que les gars, ils maintiennent le peuple dans la peur. Et une fois que c'est Exactement. exposé, les gars se sentent mal. Et moi, je peux te confirmer qu'aujourd'hui, au Piangas, ils se sentent très mal. Mais je me doute. Ah, écoute, moi ce que je vais dire, c'est deux points. Le premier, je l'avais déjà dit dans tes lives. L'impact que ça a, tout ce qui se passe au Gabon, je l'avais déjà dit, ça dépasse le Gabon. Ça dépasse même l'Afrique aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, je publie une grosse enquête sur le Salvador, où là aussi. Alors, là, eux, c'est pas trop sur mineurs, eux, c'est sur les femmes. Mais c'est pareil. C'est des trucs immondes dans le football encore, avec des gens de la FIFA. Et si tu veux, ça m'aide à faire plein d'enquêtes. J'ai fait dans la Caraïbe, en Asie. Là, on va terminer le Gallo français dont je te parle. Donc, si tu veux, ça a un impact énorme. Et aussi sur les autres sports, notamment sur le taekwondo. Notamment un grand maître du taekwondo international qui est dans les instances. Et le gars, là, je peux te dire, c'est pareil. Donc, ça aide au niveau international. C'est pour ça que j'encourage tous les gens encore. Je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment important de me contacter. Et il ne faut pas avoir honte. Je sais que c'est dur, tu vois. Moi, il y a des questions que je ne poserai jamais, tu vois. Parce que, encore une fois, on n'est pas là pour les exposer, mais exposer tous les bourreaux, oui. Parce qu'il en manque. Il en manque. Il y en a plein. Notamment pour Portgentil dans le football. Tu parles de la politique de Portgentil, tu sais que c'est intrinsèquement lié au foot. Portgentil, on a fait beaucoup Libreville. On oublie Portgentil. Toi, tu n'oublies pas, mais Bitam. À toi, tu n'as pas oublié Portgentil. Toi, Poc, c'est ton. Port gentil, Port gentil. Oh, putain. En fait, quand tu dis Port gentil, tous les gars, parce qu'en ce moment, c'est Port gentil. Hein. Tout ce qui Ben se oui. passe à Port gentil arrive sur l'œil de la NASA. Oh putain. Port gentil. Mais attends, Coucou. mais on va lancer les messages. Bruno, coach Mourinho, coach Casa, coach Ivan, tous les gars de Portgentil, envoyez-moi. On monte les dossiers avec grand plaisir et pour tous les autres aussi. Donc voilà, j'encourage vraiment à ce niveau-là parce qu'il faut arriver au bout. Plus on a de dossiers, plus on sera fort. Les gars du tennis, je rappelle Jean Comivivant et Samuel Abessolo, c'est très très important. Il ne faut pas oublier les gars du tennis. Les autres sports aussi. Le hand, hein, tant qu'à faire, hein, parce que Nicole va quand même falloir monter un Ah dossier. oui, et le Le judo judo aussi, le féminin, la judo aussi. Mélanie, comment elle s'appelle? Mélanie, comment? Pour le judo. Ouais, Mélanie, comment Oui, elle s'appelle? Mélanie Nguyen. Tu crois qu'il se passe quoi au judo pour les filles? Oh, mais celle-là, oh, ça c'est au pianga du judo. Ça c'est au pianga du judo. Léo Kadi dans le football aussi, féminin. Donc voilà, n'hésitez pas. Et pour terminer, je dirais juste merci. Parce que le courage de tous ces gens, bah aujourd'hui, ça va obliger les instances internationales à protéger les sportifs au haut niveau et notamment contre les pédos et tout ça. Donc, et tout ça viendra de deux pays, ça viendra d'Haïti et du Gabon. Donc tu vois, le Oh, Gabon, comme non. Haïti, venez. Non. Oh, call me Vlad, t'as Ah, un écoute, tueur. Bon, Romain, il quand dit tu c'est fais la la victoire. guerre, parce que c'est une guerre, ça. Ça, c'est une Oui, guerre. Parce que je les valide. enfants, Ouais, t'es je pas là valide. pour la guerre. Non, On je n'est pas valide, là je pour la valide. guerre. Quand Non, tu je vas, valide. quand tu snipes, tu sors de la tranchée. Sinon, tu es Ouais. mort. Soit tu vas à Ouais. moitié, soit tu vas. Moi, j'y vais complètement. Donc, il peut m'attaquer, mais avec plaisir. On ira chez lui, avec plaisir. Avec plaisir. Je l'attends. Mais faut pas avoir Oh, peur. mais non, toi t'es un guerrier, frère, je valide, respect. Mais fou, Respect, mais si tout le monde était un peu comme ça, notamment certaines panthères. Tu sais quand même que moi je trouve ça choquant que tu as eu Jim Alevina qui a fait un petit mot et Kulemanga, il n'y en a pas un qui en a parlé. Sinon. ils ont Et la, mec, eux-mêmes ils ont actuel. la présence d'esprit. Quand il y a la Non, mais présence d'esprit, voilà. celui qui a la présence d'esprit n'arrive pas à parler. Non, mais il y en a qui ne l'ont pas. Oui. Ils pourraient parler. À l'époque, tu as Shiva quand même qui a parlé. Oui. Moi, je respecte. Mec, Et il a lui, il a amené, il a montré, eu ses couilles. il a montré que c'est un homme. Parce que, en fait, et avant que tu ne viennes avec cette histoire, quand Shiva a parlé, nous tous, on traitait Shiva d'un fou. Hein. On n'arrivait pas à imaginer ce qui se passait. Mais aujourd'hui, nous donnons raison à Shiva. Parce que Shiva, il est venu tirer la sonnette d'alarme. Et maintenant, pour Shiva, et pour tous les jeunes, et nos jeunes qui sont en bas là, nous devons de perpétuer le combat. Mais bien sûr, parce que tu en as qui ont été détruits aussi, même ceux qui ont refusé. Il y en a qui sont tombés dans la drogue, dans l'alcool, il y en a qui ont voulu se suicider. Et il y a des histoires tragiques, il y en a qui en sont morts. Des Bah mecs qui en oui, sont morts. Et c'est des mecs qui ont exactement. été financés par la FIFA, qui ont été financés aussi par l'État quand même, parce que bon, tu sais aussi bien que moi que le football est financé par l'État au pays. Et c'est quand même un pays qu'on parle des CAN, etc. et tout. Mais il faut voir l'arrière-cuisine, quoi, la réalité. La réalité, c'est celle-là, c'est beaucoup de destins brisés. Et là, je me dis, si on arrive à mettre un gros coup de collier avec tout le monde là, encore plus de témoignages et tout, venez me contacter. Il y a peut-être moyen que ces prochains mois, on arrive à quasiment faire péter complètement tout le système. Ça t'empêchera pas que tu as toujours des détraqués.
Mais je pense que les gars, ils vont y réfléchir à deux fois avant de toucher à Gamma, là. Là, ils vont réfléchir à deux fois. C'est pour ça que Obianga, c'est gris. En tout cas, là, ils sont sur le qui-vive. Hein. Ils sont sur le qui-vive. Du coup, là, ils paniquent. Là, ils paniquent, sérieusement. Ils paniquent vu ce qu'ils ont fait. Ouais. Parce que le jugement dernier, quand il va arriver, ça va leur faire tout drôle, quand même. Oh, putain, on va... Oh non, on va te chatter. Non, mais qu'on croit ou pas, en Dieu. Mais ouais. Tu serais dans une glace quand t'as fait ça, quand même. Mais ouais. Mais en fait, mais tous les masques sont déjà en train de tomber. Les gars, en fait, c'est ça, en fait. Là, eux, leur plus grosse peur, comme je te l'ai dit en amont, c'est l'affichement. Quand ils sont affichés, les gars ne sont pas bien. Ils sont habitués à... Quand ils sont sur l'œil de la NASA, ils sont pas bien, les mecs. Ah, ils sont sur l'œil de la NASA. Et là, avec monsieur Kumbandong ou bien Reteno Molina. Là, même ta tête, quand ils voient ta tête, tout le monde panique, se disent « Ah ouais, le sorcier blanc est arrivé !» Tu sais que pour mon anniversaire, je vais mettre un grand drapeau du Gabon, là, quand je ferai mes vidéos. Oh, merci. On t'a adopté, hein. Là, tu n'as pas besoin de visa pour entrer au Gabon. C'est terminé, cette histoire-là. Tu n'as plus besoin de visa. Nous-mêmes, on t'adopte, les gars. Je vais faire comme Jean-Claude Van Damme avec les RDC, ça, j'ai terminé avec un passeport diplomatique pour le Gabon. Non, je dis que tu n'as plus rien. Le pays, là, change. Il va changer. Toi, ta tête, tu passes directement. Tu n'as plus besoin de passeport. Tu rentres au Gabon, c'est chez toi. Donc, nous, nous te remercions, Molina, parce que c'est mais pas facile. Mais pour gentil, je ne sais pas si je dois y aller maintenant. Vu l'ambiance de Port Gentil. Non, pour l'instant, on est en train de balconiser Port Gentil. Donc, Port Gentil, on va d'abord faire le travail. C'est comment ? Faut la balconiser aussi, Franceville, ou pas ? Après. Là, on a bon nettoyé Libreville. Là, après, maintenant, là, on balconise maintenant Port Gentil. Et après, en fait, on va arriver, tu vas arriver sur des lieux sains. Ce sera déjà balconisé. Donc, tu vas profiter de la plage. Tu vas profiter de tout. Parce qu'après, l'effort, c'est le réconfort. Tu vas profiter de tout. Mais tu sais que le Gabon, en plus, je dis ça d'un point de vue extérieur, ça va être magnifique. Hein. Ah, pour le coup, je pense qu'en termes de tourisme, ça va être magnifique. Hein. Exactement, parce qu'ils ne mettent pas les moyens. Tu arrives au Gabon, je te dis, il fait chaud. Tu confirmes que, ouais, là, t'es bien. T'as la plage à proximité, tu as tout à proximité. Ah, mais puis toute la région doit être magnifique. Même avec les voisins, hein, ça va être exactement, joli, hein. Exactement. Parce que nous, on est bordé par l'océan Atlantique, en fait. Je sais. Donc, du coup, mais je connais ma géographie, hein, gabonaise. Ouais. Hein. Non, ouais. Même les expressions. Ah, t'as tous les drapeaux derrière toi ou quoi là, mais tu vois, tu vas voir le Gabon, pam, tu places le Gabon derrière toi et t'es bien. Ah bah ouais, mais c'est là où je vais. Et toi, j'étais allé en Uruguay, j'ai ramené le drapeau de l'Uruguay, etc. Mais Gabon, bien. Je suis pas allé, mais j'espère y aller bientôt. Non, ça ira, frère. Alors, je leur apprendrai à lire l'heure à la prison centrale, je leur dirai oh. Oh, ils vont lire l'heure là-bas. Là, ils vont lire l'heure là-bas, sérieux. Mais toi, non, tu vois, tu as un Gabonais d'adoption, frère. Mais à force! Attends, mais à force de parler avec des Gabonais tous les jours depuis des mois, tu sais, tu retiens les expressions. Hein. Oh, mais oui, hein. Mais là, mais en fait, toi-même, tu lis les commentaires après, les gars disent, c'est fini, on t'a perdu, tu es déjà un Gabonais. Même au langage, les gars, ils t'ont dépassé. Mais même ma mère, elle sait ce que ça veut dire drep maintenant. Ah, même ma mère, elle comprend. Parce que je lui dis, mais tu te rends compte, ils ont drep les petits. Elle me dit, mais ça veut dire quoi ? Mais je lui dis, ils les ont baisés. Elle me dit, j'ai appris le mot drep. Tu vois, et c'est ça aussi, c'est la culture qui s'exporte et c'est tout ça, c'est tout ce qui est mélangé en fait. J'aurais aimé exporter une autre culture du Gabon que le drep. Non, quand même, mais t'inquiète pas, la suite sera plus classique. T'inquiète pas, la suite sera belle, j'espère. En tout cas, je te remercie. Non, c'est moi qui te remercie, Romain. Donc, du coup, je vais juste rester derrière toi pendant 5 minutes. Je coupe et on se prend en aparté si tu me permets. Et semaine prochaine, d'accord, les gars, il y a un gros truc qui arrive, ça sera en rapport avec le Gabon, vous allez aimer, vous inquiétez pas. D'accord, Romain. En tout cas, ciao, big up à toi et grosse force, frère. On garde la foi, keep the faith. Yes. Yo, la famille. Regardez-vous, les gars, là. Vous dites, oh, je suis en train de choquer. Je suis encore quoi ? Faut que t'es les ouais, comme ça, quand je suis en train de faire mon direct, ou même criver, de plein, je suis en train de lire. Oh, grand, oh, la voilà. Vous êtes malade. Moi, les gens qui me foutent des boules ici, maintenant qu'on live là, maintenant on reste maintenant, demain, on rentre Bouma. On reste à ce sagat ici là. Là, je te le speak, les ouais. Oh, tu chantes encore. Oh, grand, pourquoi tu chantes encore? Tu es malade, hein. Écrivez encore les gens le commentaire là, ici là. C'est quoi cette histoire là? Vous n'aimez pas qu'on est, on est en paix, on est tranquille, on parle, les ouais. Oh, grand, ne chantes encore pas trop. Oh, grand, on a perdu notre grand. Vos sales quoi, ici là? Tu es malade. Hein. Écris encore les ouais là. Larmes aussi. Tu vois, tu m'énerves, tu vois, le grand, il sort encore,
Imbécile! Vous croyez que quand je marche, je parle comme ça dans les administrations? Vous m'énervez, hein? Je t'en fous de vous, même quand quelqu'un est sérieux. Bon, les langues. Je vais même m'énerver, même. Approchez un peu, lisez vos commentaires. Bon. Là. L'article est sorti, hein. C'est ça que les gars n'aiment pas. Vous n'aimez pas ça. Parce que vous voulez toujours vous montrer comme des saints. Entre-temps, vous abusez de la jeunesse gabonaise. Vous vous plaignez du combat que Stéphane et moi nous menions récemment avec les placements. Un combat que Romain Molina mène par rapport aux abus sexuels sur mineurs qui se réalisent au Gabon. Et vous vous dites, vous voulez poser un sale quoi cela et dire que nous sommes là en train d'abuser. Comme si Romain n'a rien à faire de sa vie. Oui, déjà, bon, Marie, il s'appelle bien Donkuma ou bien André Teno Molina. Oui, c'est un boma. Vous allez faire quoi? Vous voyez quelqu'un comme ça, il tape des nuits blanches. Comme vous voyez, comme Steph et Stéphane Zeng et moi, on est en train de damer parfois même des nuits blanches. J'arrive au work, je somnole. Steph arrive au work, il somnole. Et je vois certaines personnes dire, oui, c'est la vie. Que vous prenez les bindis, ça c'est mort. Maintenant, vous prenez des grands. Vous prenez, attendez d'abord. Les grands. Vous faites des quoi, des grands là. Les grands Westo. Vous les Westo. Vous les... Je vais vous dire ça clair aujourd'hui, de vous à moi. Un Westé ne pourra au grand jamais être mon frère ou mon ami. Ça, on quitte d'abord. Je parle d'un adulte Westé. Un Westé et moi, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est l'abomination, vous les Westé. Moi, je vous dis ça clair. Vous les Westé, c'est mort. On ne peut pas. Je ne peux même pas rire avec vous. Je ne peux pas être votre ami. Mais ce que vous décidez de faire de votre kouaïs en toute maturité ne me regarde pas. Moi, je vous dis, hein, tu décides de te faire prendre en panza quand ton bousy, ton kouaïs, comme la mangue au pololo, tu fais de ton kouaïs ce que tu veux. Moi, ce n'est pas mon balabac, mais tu ne pourras jamais être mon ami. Mais tu fais de l'usage de ton kouaïs, tu fais de ça ce que tu veux. Mais mon problème, c'est quand vous voulez impacter les enfants ou bien faire ça aux enfants sous certaines conditions, parce que vous brisez les rêves des gens. Vous brisez les rêves des gens. Vous ne pouvez pas venir briser les rêves d'un jeune homme qui rêve de jouer au football. Vous savez que c'est sa passion, mais vous venez jouer avec ses rêves. Vous venez donner ce rêve. Ouais, à condition que tu me donnes le quoi. Oui, donne-moi la présence d'esprit. Mais vous êtes malade. Et c'est comme ça à tous les niveaux, que ce soit dans les placements, que ce soit dans le domaine de l'administration, à tous les niveaux au Gabon, c'est ça. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça. C'est parce que vous maintenez le peuple gabonais dans la souffrance afin de l'imposer ce type de conditions pour bousiller ses rêves. Pour bousiller ses rêves. Et je vois maintenant comment tous les Westos là, vous êtes en train d'expliquer. Mais vous êtes des Westos, vous êtes des Westos! Vous êtes des Westos. Ça me gêne, on croit que vous êtes des Westos. À part que vous ne pouvez pas être à côté de moi. Je peux avoir un ami Westo. Je ne peux pas. C'est trop me demander. Je ne peux pas. Parce qu'un ami Westo, j'ai un ami Westo. Moi, j'aime me balader en calbar. Oui, il va me voir balader avec encore une balèze bike. Je vais me balader en calbar. Il va me regarder comme ça là. Il va me regarder comme ça là. Ah, je suis clair. Regarde, je dis. Un ami Westo. Moi, non. Un ami Westo, il va me regarder, je me cambre pour prendre un truc, je me courbe pour prendre un truc, il va se regarder, il va se imaginer les choses. Et puis j'ai un ami Westo que j'ai dit mon ami. Il me voit, moi je suis encore le don comme un ami, lui il me voit peut-être comme une gars. Et puis j'ai dit moi un ami, bien comme un boy. Il va fantasmer sur. Et je ne peux pas avoir les amis Westo. Maintenant vous faites ce que vous voulez, je ne vous kiffe pas. Je vous le dis aujourd'hui, là, je vous le dis. Et maintenant, là, je ne m'attaque pas aux Westos. Les Westos, vous faites de vos quoi ce que vous voulez. Mais n'entraînez pas nos enfants. Ça, je vous l'interdis. Vous faites de vos quoi ce que vous voulez. Il y a les Westos, maintenant, ils savent qu'on épouse au Gabon. On épouse. On les fait même venir en Europe. Vous ne savez pas, hein? Ce sont même les gars. Vous perdez même les chéris à cause des boys, là. Mais moi, là, je ne suis pas votre camarade. Samedi. Lors du bilan, parce qu'on va attendre que Romain parte à France 24 et à RFI, samedi, on va faire le bilan. Pas gentil! Là, on va vous balconiser maintenant avec le blanc Romain Molina.
Avec au même Molina, 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 Kouman, dont on bien retenu Molina. Bon, gentil, on va vous rendre star. Là, maintenant, vous allez entendre. Vous voyez quand même, c'est Jean Gabomao. Il parle de Tolibangando, même. Frère, c'est Jean Boma. C'est Jean Boma. Donc, les gars, on pose au cœur. Les Westés, vous êtes des maudits. Les Westés, hein, toute une vie. Allez, passons au bout d'avant. Quelle espèce même.